Dans le passé, qui a participé à votre éducation, comment? Bah, mes parents en premier et beaucoup à l'école, parce qu'à cette époque-là, c'était assez sévère et on a appris beaucoup de choses. Ce sont mes parents, ce sont bien sûr également l'ensemble des personnes qui m'entouraient petit et à l'âge d'adolescent, notamment les bénévoles du football qui ont participé assez largement à mon éducation, et bien en m'aidant à grandir, en m'entourant, en me faisant prendre du plaisir et de l'intérêt à des choses finalement très variées, que ce soit dans le domaine sportif, mais aussi dans le domaine culturel, puisque certains professeurs ont aussi beaucoup compté. L'école, et comment? Par un bon suivi, voilà. Moi, je pense que c'est vraiment le pilier le plus important, c'est les parents. Et puis aujourd'hui, je pense que quand on voit des jeunes ou même des moins jeunes pas très bien éduqués, je pense que ça vient avant tout des parents. Après, certes, il y en a qui sont débordés, mais je pense que ça vient avant tout des parents. Après, ouais, l'école, parce que c'est le deuxième endroit où on passe le plus de temps quand on est jeune. Donc, Mes parents et mes maîtres d'école. Quelles sont les personnes qui t'aident à apprendre? Les maîtresses. Les maîtresses. Papa et maman. Mes parents. La maîtresse. Nos parents. Les maîtres et maîtresses à l'école. Moi, la personne qui m'aide à apprendre est mon grand frère. Ma chance. Mon papy et ma mamie.